Le mot héros, c'est H, héros. Donc H, c'est l'échelle de Jacob, héros, c'est l'héros. Donc par l'énergie, monter l'échelle de l'ascension qui mène de la terre vers le ciel. Quelqu'un qui est né d'un dieu et d'une femme et qui va devoir retrouver son père, c'est-à-dire partir de la condition humaine pour aller jusque dans l'Olympe. Un héros est fort. Et fort, c'est F-O-R-T. Donc le feu, l'eau, l'air, et T, c'est la terre. Donc le héros va relier les quatre éléments, c'est-à-dire le feu de l'intuition, l'eau des sentiments, l'air de la pensée et la terre de la réalisation concrète. Il parle, le langage nous dit qu'être un héros, c'est réunir en soi les quatre grandes fonctions jungiennes, intuition, sentiment, pensée et sensation, pour découvrir quoi? La quintessence, la cinquième essence, c'est-à-dire l'espace du cœur en réalité.